Bonjour, Jacinthe, je suis là. Je suis désolée pour le 2 minutes de retard. J'étais en train de travailler à l'ordinateur. Je disais, je vais regarder l'heure, 3 heures. Fait que me voici. Désolée, désolée. Ça va bien? Moi, ça va très bien. Je pensais que vous alliez te retrouver dehors, dans ta cour. Ben, il y a trop de bruit. C'est Ah. pas que je veux pas, c'est qu'il y a trop de bruit. OK. Ça rénove partout autour de chez nous. Et tu te prépares pour. C'est ce soir, ta première de deux sur les suppléments. Les Absolument, les suppléments suppléments de selon protéines. Jean-Yves. Oui, tout à fait, ce soir, 19h30. Eh oui, Bon. je suis fébrile. Vous, tu sais, il n'y a pas de limite. Si quelqu'un veut s'inscrire, si quelqu'un veut te suivre, il n'y a pas de limite au Ah. nombre qui peuvent assister. Non, ma plateforme va supporter autant de gens. Au pire, je vais payer plus cher, c'est tout, là. On va tout le Parfait. faire, il n'y a pas de problème. Ils doivent Donc, s'inscrire vous. jusqu'à la dernière minute, même après, parce que dès le lendemain, il est disponible en auto-apprentissage, parce que c'est tout conçu pour parler à tout le monde. Mais en même temps, il y a assez de matière pour que certaines personnes veulent avoir l'attestation après. Fait que C'est c'est top. possible. Je Donc, travaille toujours comme ça. Simon qui pose la question, justement, oui. Donc, vous allez pouvoir, vous allez sur le site, si vous êtes intéressé, vous allez sur le site JY Dionne et vous avez l'accès au webinaire, dont celui-ci. C'est deux séminaires que tu donnes sur les suppléments. Donc, ce que toi, tu prends et pourquoi. Et ça fait des années que le monde te demande ça. Ben, c'est exactement. Puis j'étais très réticent parce que je suis pas quelqu'un qui a le goût de dire, tu sais, moi, je suis le meilleur, puis je fais ça. Non. Mais à force de me le faire demander par mes étudiants, entre autres, toi, Jean-Yves, tu prends quoi? Bon, OK. Alors, j'ai conçu quelque chose qui est, oui, c'est ce que je prends. Vous allez voir, j'en prends plus que vous pensez. Mais il y a une rationnelle derrière chaque chose. Alors, je commence avec le pourquoi je prends des suppléments dans le contexte aujourd'hui 2021. Alors, pourquoi on peut dire que la bouffe ne contient pas ce qu'on pense? Première chose. Deuxième chose, la liste de ce que je prends et produit par produit, pourquoi? Alors, les Sans recherches. adresser de marque, Ah, jamais. un professionnel ne peut pas supporter une marque. C'est Donc, ça. Le seul temps où je fais une entorse à cette règle-là que je me suis mise, puis vous comprendrez qu'étant donné que je suis quand même un personnage public, je ne peux pas me permettre d'être associé à dire tel produit est le meilleur parce que je vais me faire crucifier sur la place publique. Mais non, les seuls produits où je fais des entorses, c'est quand il y a un seul produit et il n'y a pas de comparable. Alors, par Parfait. exemple, tu aurais un produit unique de telle substance, ben, je ne peux pas faire autrement que de dire que ce produit-là contient, et donc voilà. Alors, on fait tout le tour, puis je termine avec comment on détermine un produit de qualité. Oui. C'est pour ça que le webinaire, il dure 3 heures, tu sais, 2 soirs, parce que ce n'est pas juste ma liste. Ma liste, c'est une page, c'est pas compliqué, mais pourquoi? Déjà, c'est un peu plus compliqué. T'sais, la vitamine D, pourquoi je la prends? Pourquoi je suis tellement passionné par la vitamine D? Comment c'est primordial dans une société nordique comme la nôtre? Alors, j'explique pourquoi avec les tenants et les aboutissants. Et la partie validation en arrière, comment je reconnais un bon produit? Parce que tout le monde me dit, y a-t-il une meilleure compagnie? Réponse, non. Il y a des très bons produits, il y a des très bonnes compagnies dans toutes les compagnies. Il y a des produits où moi, je vais faire, je l'aurais pas fait comme ça, moi. Tu sais? Ouais. Hein, tu le sais? C'est comme, pas celui-là. Celui-là, oui, alors ça, j'adore. C'est génial, je trippe. Mais tel autre, puis il n'y a pas une compagnie qui peut se permettre d'avoir le meilleur produit tout le temps à 100% dans le contexte de distribution actuelle. Pour ça, je spécifie. Si tu as un contexte de distribution, si tu prends par exemple toi, tu as une conception différente des choses, puis tu as un réseau qui t'appartient. Donc, ça ne travaille pas comme les produits Maison Jacinthe sur la tablette d'avril. Pas Exact, pareil. Tu es exact. obligé de couper des coins ronds parce que ton compétiteur a l'air meilleur. Il ne l'est pas, mais il a l'air meilleur. Puis c'est là où toute la dynamique du marché embarque. Alors moi, je vous donne des pistes de solutions. Quand on regarde une étiquette, je n'ai pas accès au contrôle de qualité en arrière. Vous ne l'avez pas non plus, mais on est capable de dire, ah, ça c'est le fun. Parce qu'il y a tel détail qui me fait, ah, j'aime ça ce qu'ils ont fait. Puis c'est ça que je vous partage. Et tu sais, il y a aussi quand on est distribué et on l'était avant. Il y a un gros pourcentage qui va au distributeur. T'sais, c'est comme ça fait partie du marché aussi. Il y a une espèce. Puis après ça, tu as des entreprises derrière qui vont donner des bonbons à ceux qui vendent le plus. C'est comme une espèce Regarde, en de pharmacie, subtil, là. moi j'ai, tu sais, bon, je suis un vieux routier, hein, ça fait longtemps que je suis là. En pharmacie, il y a eu des ristournes.
il y a eu des cotes si tu vendais plus que... Moi, je me rappelle, jeune pharmacien, rentrer des caisses de champagne à Noël. OK? Parce qu'on avait atteint les objectifs. Ça n'existe plus. Mais dans le monde des produits naturels, ça existe encore. Ouais. T'sais? Alors, quand tu rentres dans une boutique, tu vas dire, tel produit est le meilleur, tu fais comme... C'est-tu ouais. vraiment le meilleur ou c'est le meilleur cadeau? Ou encore, il est peut-être bon, mais on t'a convaincu avec des arguments qui ne résonnent pas nécessairement avec moi. Il y a ça et, tu sais, nous, ce qu'on dit souvent, c'est est-ce que la personne qui est sur le plancher, puis ça n'a rien à voir avec sa bonne foi ou sa mauvaise foi. Ah, pas du tout. Est-ce qu'elle peut tout retenir, tout, de toutes les marques? Tu sais, c'est comme, c'est quasi impossible, donc elle va retenir des fois, tu sais. En tout cas, c'est Bon, un exemple de ça, OK? Il y a un grand mouvement qui vient des États-Unis, qui est piloté par une ou deux compagnies, qui prétend que dans ces pilules de multivitamines, ce ne sont que des concentrés d'aliments. Okay? OK? Sérieusement, technologiquement parlant, c'est pas possible de faire ça. Fait quand on vous vend ça comme argument, que c'est un concentré d'aliments, ou bien on vous ment en pleine face, ou bien on met des concentrés d'aliments, mais on va les bonifier, en anglais « spike ». On va rajouter la vitamine. Alors, par exemple, une vitamine D qui vient des levures, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des levures, on les fait croître dans une miniculture dans laquelle on met de la vitamine D, et la vitamine D est incorporée dans des levures, puis on vous vend ça. Pas de même, ça marche. Et c'est là où le discours marketing qui va plaire, parce que ça devient un discours marketing, est-il fondé sur une science crédible ou si on n'a pas spiné une histoire qui, oh, ça, c'est très tendance en ce moment, les gens vont adorer ça, et les chiffres d'affaires de ces compagnies-là sont la preuve que ça marche. C'est pas, donc, pour faire la part des choses, on t'en remet à toi. Parce que, d'un, vous n'avez pas tous un discours sur les produits naturels, il y en existe beaucoup. Et donc, c'est intéressant, mais tu ne fais pas que ça, mais tu aimes ça aussi. Donc, tu incorpores tout dans ton discours. Donc, c'est ce qu'on appelle la santé la santé intégrative, OK? Moi, j'essaie, c'est pour ça que tu sais, je m'affuble moi-même du nom de l'apothicaire éclectique. L'apothicaire, c'est l'ancêtre du pharmacien. Donc, ça parle à mes racines. Ça oui. parle au fait que mon grand-père était pharmacien à Limoilou. Ça parle au fait qu'un apothicaire préparait des trucs à partir de plantes pour une personne à la fois. Complètement différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Je ne dénigre pas ce qu'on fait aujourd'hui. Je parle de racines. Puis éclectique, c'est la capacité de prendre le meilleur des thèses dominantes pour en faire quelque chose de neuf. C'est ça que je fais. Donc, voilà. Alors, ça, c'est ce soir, mais vous avez accès aussi sur le site de Jean-Yves. Je le dis à chaque fois, mais pour les personnes nouvelles qui sont là, donc Jean-Yves est pharmacien, mais sur la clôture du milieu, vous l'aurez compris, et avec tout le bagage scientifique qu'il faut, mais aussi l'expérience. Donc, vous avez accès à tous les webinaires que tu as déjà donnés. Exactement. Tous les articles sur tout est là. Sujet, tout est là depuis 2009. Et le livre aussi qui est partout, en France, en Europe. Et ici, sur notre site, mais sûrement vous pouvez le trouver ailleurs aussi. Maintenant que, en tout cas, on est en zone rouge, on n'est pas en zone rouge, on n'est plus ouvert. J'arrive à ça, Jean-Yves. Vas-y, je t'écoute. C'est sûr que je veux reparler du soleil, parce que j'ai entendu d'un de tes collègues ce matin... Des affaires qui m'ont fait, ben voyons donc, que tout se vaut dans le naturel, là, que tout se vaut dans les crèmes solaires, prenez n'importe quoi, c'est pareil au même. Bon. Ça me chicoté. Attends, on y arrive parce que tout le monde est au soleil en ce moment, on en profite. UVA, UVB, protéger sa peau, vieillissement, tout ça. Mais on a une autre réalité en ce moment. Et on en a parlé la semaine dernière. La semaine dernière, tu as parlé de « tu as, pas moi ». Moi, je suis juste une animatrice qui pose des questions. Donc, et je vais répondre. OK, go, shoot. Mais tu as parlé de comment optimiser notre système immunitaire. Ouais. Okay? Et tu en parles depuis un an. Et tu parles justement de comment que ça peut faire une différence. Je reprends tes mots à toi. Moi, j'ai eu un appel samedi dernier de l'école de mon fils. Bang, COVID dans sa classe, OK? Fait que lui, tout de suite, on part. On était tout seul dimanche de Pâques à faire des tests. J'ai pu me stationner dans le stationnement de l'hôpital. Voyons, il n'y a personne ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait si... On ne parle pas vaccin ou pas vaccin. Non. C'est pas ça. On est sur une liste d'attente. On n'est pas rendu à nous. Est-ce que toi, tu as le droit d'adresser ça? Mettons que là, lui, il ne l'a pas. Son résultat s'est avéré négatif. On touche du bois, ça se peut quand même qu'il le développe, on ne le sait pas. Donc, isolement,
Et là, moi, tout de suite, j'ai une réflexion par rapport aux décisions qui se prennent. Je me dis, hey, c'est pas évident, là, c'est tout ce qui se passe là, puis j'ai l'impression qu'on nous met à risque. Ça, c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, chacun de nous, quand il y a cette menace-là? Stress? Oui, stress. Et en ce moment, je le vois, écoute, j'ai des clients, là, qui, tu sais, je dis souvent que je ne suis pas plus psychologue que Lucie dans Charlie Brown, là, mais des fois, je suis obligé de me transformer en grande oreille parce que il y a une pression qui se vit au plus profond des gens. Il y a, je dirais pas un désespoir, mais presque. Alors, ce que tu viens de donner là, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme individu, pour maximiser mes chances, un, de ne pas l'attraper, deux, si je l'attrape, d'avoir la version rhume. T'sais, parce qu'il y a toute une gradation. Il y a les asymptomatiques qui ont le virus, le combattent, font pas de symptômes. Tu as la version légère, syndrome grippal, rhume, nez qui coule, courbature, changement d'odorat. Tu as la version un peu plus sévère, ça te couche, tu as des problèmes à respirer, tu es essoufflé. Puis là, à un moment donné, c'est tellement grave, tu vas à l'hôpital. Puis là, l'étape suivante, ben, c'est les soins intensifs, puis bon, c'est tout un... Attends, tu as aussi l'hypochondriaque. Oui, mais ça, on va en parler. Voyons, j'ai de la difficulté à respirer. Voyons, tu sais, tout ça, là. On devient tous, là. Ça, on tombe dans le stress, pas à peu on près. On l'est toutes, là. Alors, il y a une autre partie de la COVID qu'il faut mentionner, c'est la fameuse COVID longue qui arrive. Tu peux avoir une version légère et quelques semaines plus tard, développer un trouble de l'odorat qui perdure des mois. Ma grande est comme ça. Là. Elle a eu une version légère. Elle a fait tout ce que j'ai dit de faire. Puis ça a super bien passé en 10 jours. Mais le goût était affecté. C'est revenu. Puis c'est fini. Elle tout goûte mauvais. Et ça fait des mois de ça. Et ça peut durer. On ne sait pas. Ce bout-là, là, il est très, très, très insécurisant pour tout le monde. Qu'on ne sait pas. Alors, revenons à la prémisse de base. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, toutes les manœuvres qu'on se fait dire. La distance, le masque, laver les mains. Petit commentaire sur le masque. Le masque est pertinent uniquement dans des endroits fermés. OK? Alors, tout le message bâtard, excusez, qui est transmis de « il faut mettre le masque en sortant de chez soi », là, il n'y a pas d'utilité. Il n'y a personne qui peut me convaincre que le masque chez vous, le masque en sortant dehors, le masque en rencontrant quelqu'un à moins de 2 mètres. Ah, c'est pas pareil. OK? Mais si tu vas marcher sur la rue à 2 mètres de ta copine, il n'y a pas plus de risque là qu'ailleurs parce que les particules doivent rester et t'atteindre. Puis ce n'est pas une particule qui donne le virus, c'est une concentration de. C'est pour ça qu'on parle de transmission communautaire. C'est pour ça que tu vois de la transmission dans des HLM. Ils prennent l'ascenseur, ils sont 3-4 dedans, puis là, il y en a un qui l'a, il reste là quelques minutes, c'est concentré. Les classes, c'est ça l'idée, là. Puis c'est ça qui est mal transmis par ce qu'on nous transmet de la santé publique. Parce que ça, c'est connu, les endroits clos, d'où le masque au magasin, dans les transports en commun. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il est efficace à 100%? Non, non, non. Est-ce qu'il y a une utilité? Oui. J'ai été un des premiers, avant qu'on l'annonce, au mois d'avril, je pense, avoir fait un live, le masque, s'il vous plaît, pour tout le monde. Puis pas dans le but de « ça va m'empêcher de l'attraper ». Non, dans le but de « moi, si jamais je l'ai, j'ai beaucoup moins de chances de te le donner ». OK. C'est dans ce sens-là qu'il est plus efficace. Alors, mais de paranoïer, de dire « il faut le porter sur la rue », ça n'a pas de rationnel. Dans les commerces, les endroits clos, oui, parce que c'est là que la concentration de virus peut augmenter et atteindre un niveau concentration minimale efficace. Comment ça se fait, Jean-Yves, que ça ne nous protège pas, nous aussi, que ça protège juste l'autre? Ben, je n'ai pas dit que ça ne protégeait pas. C'est l'efficacité qui est douteuse. Parce que si tu regardes la publication de l'OMS, en 2019, il était contre les masques, contre les contagions. En 2009, quand on a eu H1N1, tous les professionnels ont reçu un mémo disant « laissez faire les masques, ça ne vaut pas la peine ». Pourquoi on a changé d'idée? Parce qu'il faut faire quelque chose. Puis que oui, il y a un effet barrière qui est là. OK? C'est pas pour rien qu'on le porte à l'hôpital. Il a un effet. Mais comme le vrai masque protecteur, le N95, qui va filtrer les microparticules, on l'a pas. Tu sais, moi, le premier, j'ai le masque en tissu, puis j'ai un masque, un petit masque bleu en papier, là. J'ai les deux. Puis, mais je suis un cas à part parce que je suis un peu comme toi, je travaille chez moi, je sors pas, je vais à l'épicerie, puis je reviens, ou je vais à la fruiterie, ou je prends une marche avec ma blonde pour aller au bureau de poste. C'est toi.
Fait que je ne suis pas un cas problématique. Mais dès que tu es dans un environnement qui, lui, peut être problématique, prends pas de chance. Regarde c'est ce, juste que ça. Ce que J. Lafaire écrit. Je vois pas, moi, je vois juste Philippe. Ce soir, ils vont annoncer que le masque sera obligatoire à l'extérieur si on est avec quelqu'un qui n'est pas de la même adresse. On verra bien ce qu'ils vont annoncer ce soir. Ça aussi, c'est quelque chose que... Bon, ça, vois-tu, ça fait partie... Moi, j'ai commencé à fermer les nouvelles parce que le discours de peur, tu sais, discours accroché, soyons disciplinés, faisons ce qu'on a à faire, mais arrêtons d'avoir peur. La peur, ça aide pas, ça augmente ton stress qui diminue ton système immunitaire. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la visière nous protège? Bon, je veux savoir qu'est-ce que... OK, la visière, toute seule, non. Parce que c'est des particules qui passent par l'air, donc tu les respires. Donc, la visière toute seule. La visière et le masque, oui, parce qu'elle protège contre les gouttelettes. Oui. C'est pour ça que tu la vois. Le masque, puis pas le masque, hein? Ça, c'est comme des boxers. Il y a une affaire qu'il faut que tu mettes en dedans. Hein? Pouf! Merci. Excusez. Alors, le masque par-dessus, tu le vois tellement de gens là, qui ont le masque comme ça. Une personne âgée qui a le masque puis le nez qui sort. C'est comme ça, ça ne sert à rien, ça. Excusez, ça ne sert à rien. Bon, le masque et la visière. La visière a comme effet protecteur au niveau des gouttelettes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les yeux, c'est des sur le nez, oui. Par-dessus le nez. On respire dans le masque. Alors, la visière a un plus. Est-ce qu'elle est nécessaire? Je ne le sais pas. Okay? On est toutes là. Parce que si tu regardes la science, je vais te sortir autant d'études qui disent que le masque ne sert à rien, qui augmente la contagion, que d'autres qui disent qu'il marche. On est vraiment dans utilisons donc notre gros bon sens, s'il vous plaît. Parfait. OK. Maintenant... Deuxième pas. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Pas dans le sens de je vais tuer le virus. Non. Parce que oui, j'ai des doutes en ce moment, il y a des substances. Oui, l'échinacée semble être viricide. Enfin, peut-être même antivirale. Certaines huiles essentielles ont in vitro la capacité de tuer le coronavirus. Mais je n'ai pas encore la preuve chez l'humain. OK? Alors, par exemple, un vitinéol, l'eucalyptol, in vitro, en éprouvette, va tuer le coronavirus. Ouais, mais c'est comme l'alcool, 60% ou 70%, les petits gels. Ça tue le coronavirus. Ça vaut-il la peine de faire comme M. Trump disait de le boire, ça va nous guérir? Réponse, non. Hein, t'sais. Bolsonaro au Brésil a dit la même affaire. Prenez un coup, le premier ministre ou le président, je ne sais pas trop, de la Pologne a dit la même chose à son monde. Prenez de l'alcool, ça tue le virus. Non. Okay? Parce que la concentration pour tuer le virus, tenez-vous bien, c'est 60%. Est-ce que tu peux prendre de l'alcool et avoir 60% de concentration d'alcool dans ton sang? Si tu es capable de faire ça, tu vas être dans un pot, dans un musée. OK, je comprends. On ne fait pas ça. Non. Alors, c'est toute la distinction entre oui, la substance fonctionne et j'ai la preuve qu'elle fonctionne dans moi. Et si elle fonctionne dans moi, à quelle dose? Parce que, tu sais, revenons avec mon eucalyptol, je sais qu'en éprouvette, ça tue le virus. Est-ce que, donc, ça a un potentiel dans l'atmosphère? Peut-être. OK, je veux aller jusque-là. Est-ce que je peux dire que ça marche? Non, mais je veux bien comprendre. Par contre, est-ce que ça marche pour me protéger ou me traiter? OK, les études ne sont pas faites. Deux, si ça marche en éprouvette, est-ce que je vais avoir la même concentration dans mon corps? Puis tu le sais comme moi, des huiles essentielles, tu ne peux pas prendre des doses de cheval de ça, là. Non. Hein? Ben, parce qu'il y a des effets secondaires, ça peut être encore la même molécule, l'eucalyptol, extraordinaire en inhalation pour le rhume, c'est décongestionnant, cool! Prends-en pas trop, ça donne d'épilepsie, tu sais? Dis-moi donc, est-ce qu'il y a des tests autres qui sont faits justement sur le virus? Là, tu parles en éprouvette, mais sur des êtres humains. Il y a plusieurs études. Okay? Il y a tout un catalogue d'études qui est mis à jour sur les produits qui sont en étude chez des humains contre la COVID pour le traitement. Vous avez vu, il y a quelques mois, on a parlé de la colchicine. Oui. La colchicine, c'est un médicament, mais à la base, c'est une substance naturelle, okay? Qui vient d'une fleur. La colchique d'automne ou le crocus d'automne, qui est utilisé à la base pour la goutte. C'est un médicament extraordinaire qui a des défauts, mais ce qu'ils n'ont pas, ou le message a mal passé parce que là où c'est utile, c'est pas pour la COVID, c'est pour la phase inflammatoire de la COVID. Donc, c'est rendu aux soins intensifs. Okay. C'est un peu comme donner de la dexamétasone, des cadrons. Tu ne prends pas ça en prévention, c'est une cortisone de cheval. Tu prends ça quand tu es inflammé pour que tout éclate. Ça, c'est du monde médical. Alors, du point de vue de l'individu, moi, là, être humain, qui n'est pas le médecin, qui n'a pas le sarreau, puis qui n'est pas à l'hôpital, puis qui ne veut pas y aller à l'hôpital, qu'est-ce que je peux faire? Oui. Alors, c'est là où on va parler du terrain.
comment oui. mon corps peut être en meilleur état pour me donner toutes les chances, suivez-moi là, toutes les chances pour si jamais je l'attrape, ce virus-là, il sera la version ou bedon asymptomatique ou la version légère, en espérant que je ne pogne pas la longue, parce que la longue, je ne sais pas d'où elle vient, personne ne le sait, puis on est mal pris. Vous me suivez? Alors, les choses que je peux faire. Un, ne pas avoir peur. Le stress est mon pire ennemi, ça baisse mon système immunitaire. Respirer, ça fait du bien. La vitamine D dont je parle, hein? Décadron en chimiothérapie, exactement. C'est un anti-inflammatoire qu'on utilise. Tout à fait vrai. C'est pas un, on verra pas ça au dépanneur. Tu sais. C'est pas ça. Là. Alors, la vitamine D, j'ai besoin d'un taux sanguin minimum. Et nous, les Nordiques, hein, au-delà du 45e parallèle qui passe juste au sud de Montréal, là, on est tous là, tout le monde, on n'en a pas 6 mois par année. Puis je t'en ai déjà parlé. On commence à en avoir à l'équinoxe de mars jusqu'à l'équinoxe de septembre. Et les ultraviolets B, à l'heure du midi, là, 11h, 15h, heure avancée, ils sont là. Mais si et seulement si, il fait assez chaud pour que je m'expose. Alors, mois de mars, oublie ça. Là. Aujourd'hui, oui. Là, j'ai le goût de m'exposer. Et suffisamment de peau. 40 % minimum. Ça veut dire short t-shirt. Plus de peau, si t'es capable. Ben, la manche longue puis le chapeau, non. Alors, ça marche et pas. La durée qui nous est personnelle, qu'on appelle une durée minimale d'érythème, donc la capacité de se rendre à la roseur. J'ai eu chaud, OK, je commence à rosir, je ne suis pas rouge encore. Merci, Simon. Alors, ça, c'est ma dose de vitamine D. Simon dit, la pharmacienne, ma pharmacienne était bien d'accord avec la dose de vitamine D proposée par Jean-Yves. Yes! Puis, le pire, c'est que, pour parler dosage, là, moi, je répète à qui veut l'entendre, 50 unités multipliées par votre poids en kilo, c'est votre dose par jour. 50 unités par kilo par jour. Ça, le hic, c'est vrai pour à peu près 97 % du monde. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'en prendre un petit peu plus. Puis il y a des gens, j'ai eu un cas là, d'une dame qui prenait exactement ma dose. Elle a eu son test sanguin. Puis l'intervalle santé, c'est 75 à 150, puis elle est à 189. C'est-tu dangereux? Réponse non. Mais ça veut dire qu'elle est extraordinaire, cette dame-là, elle métabolise super bien, bravo. Fait qu'on a baissé sa dose. Mais le danger, il n'est pas à 189. Il est à 500. Il n'y a pas de cas de danger, de toxicité connue en bas de 500. Les laboratoires vont nous dire 225, 250, toxicité. OK, on va le prendre. Mais ce n'est pas vrai. OK, c'est plus une protection. Donc, vitamine D, c'est mon premier outil. Les autres outils... Juste pour bien savoir, si on en prend régulièrement ce dosage-là, on n'a pas besoin d'en prendre plus si on a eu un danger. Okay. Il y a des auteurs qui vont dire de prendre un bolus, une grosse dose en cas. Mais ça, c'est pertinent si, comme professionnel, je suspecte ou je postule que la personne que je traite est carencée. Parfait. Alors oui, il y a des auteurs qui donnent des doses de cheval. Il y a des études à 100 000 unités d'une shot. On ne fait pas ça chez nous. Au mieux, on va aller à 10 000 par jour pour quelques jours, mais pas longtemps, parce que ça reste une vitamine qui s'accumule dans le système. Et elle prend plusieurs jours à monter. Si je prends ma dose quotidienne, ou même, j'ai une étude, je la montre ce soir, ou jeudi prochain, en tout cas. Il y a un graphique où on compare la vitamine D3 de la D2. Ouais. Puis, ce pourquoi je le montre, c'est pas parce qu'il y a la différence entre les deux, puis ça explique pourquoi je prends de la D3, mais c'est la courbe qui fait ça comme ça. Alors, je le prends au jour zéro, la concentration monte dans mon sang, elle descend, elle remonte, elle fait un plateau, puis comme ça, pour que vous voyez jusqu'au bout, puis elle redescend. Mais c'est pas des minutes en dessous, c'est des jours. Ça prend des jours à monter. Puis pourquoi elle descend? C'est là l'idée que c'est liposoluble, ça s'en va dans les tissus graisseux, puis ça remonte après. Alors, puis l'étude, c'est des volontaires sains qui ont pris 50 000 unités. Bon. Okay. Alors, zinc, pour comprendre où je m'en vais, je suis pas rendu aux zinc. Okay. Pour comprendre où je m'en vais dans les autres choses à faire, oui. Il faut parler de l'autre grand facteur de risque qui fait la différence entre une version légère et une version... sévère. C'est le syndrome métabolique. Et là, oui. Il y a énormément de recherches qui poussent, qui sortent, qui montrent que les gens qui ont la version sévère sont obèses, diabétiques, cardiaques, leur insuline est dans le plafond, leur glycémie est élevée. Ils ont tous les symptômes d'un syndrome métabolique décompensé. Alors, traduisons en français maintenant.
Le syndrome métabolique commence parce que dans notre alimentation contemporaine, on mange trop de glucides et pas assez de gras et de protéines. Mais ça de même. Ce qui fait que mon corps compense et va générer de l'insuline, puis mon insuline va rester élevée. Ça devrait être une hormone qui monte quand je mange des glucides, qui redescend. Qui monte, qui redescend. Mais le problème, c'est qu'elle monte, puis elle reste élevée. Okay. Et là, je peux avoir des symptômes ou pas. Alors, je peux ne pas avoir de symptômes, mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'après quelques années, ben là, je commence à prendre du poids, puis je ne suis pas capable de le perdre. Ma tension artérielle commence à monter. Je ne suis peut-être pas hypertendu, mais ça commence à monter. Mon bon cholestérol, le HDL, se met à planter. Alors, au lieu d'être à 1,5-2, il va être à 0,8-0,6. Puis là, c'est comme, ah, pourquoi? Mes triglycérides, mon gras dans le sang, se met à monter. Bon, puis il y a d'autres paramètres, l'inflammation monte. Et systématiquement, on voit un lien très fort entre ça et la COVID sévère. Alors, quand on a ces deux paramètres... Même chez les jeunes, tu sais, parce qu'on entend des fois un jeune, tu sais, ou qui était en santé ou qui avait aucun problème. Le problème, c'est que je ne peux pas répondre à ta question. Je n'ai pas accès au dossier, puis je parie que les mesures métaboliques que je voudrais que soient faites n'ont pas été faites. C'est ça le problème. Parce que c'est très facile de te faire, tu sais, le petit kid, le garçon de 16 ans là, à Sainte-Justine, il est en santé, OK, mais il est à Sainte-Justine, je ne sais pas, OK, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas, parce que ça peut être une anecdote sur les millions de cas, je ne sais pas. Puis je ne peux pas aller plus loin que ça dans ma réflexion tant que je n'ai pas les informations. De la même façon que ce matin à Radio-Can, il parlait d'une préposée aux bénéficiaires qui a été vaccinée, puis qui a pogné la COVID sévère, puis qui s'est ramassé avec des problèmes respiratoires, puis j'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a 50 ans, la madame, puis elle a déjà eu une première dose de vaccin. Est-ce qu'on a accès aux autres informations? Et si on a accès, est-ce qu'on va les transmettre dans le grand public? Par exemple, est-ce qu'elle fumait? Est-ce qu'elle était obèse? Est-ce qu'elle était diabétique? Je ne sais pas tout ça, puis on me le dira jamais. Fait que je ne peux pas me prononcer là-dessus. Alors, toi, ces données-là là, de syndrome métabolique puis de COVID, tu sais, qui peut passer sans symptômes vraiment dommageables, mm-hmm. Tu prends ça où? Bien, dans les publications. OK. Parce que c'est ça ma job. Tu sais, moi, ce que je fais, là, d'abord et avant tout, c'est tous les jours, je fais de la revue de littérature. OK? Je vais voir les études, je reçois des newsletters. Ça m'intéresse, je vais la lire. La classe, j'en ai tout plein, là. Vraiment tout plein. Pour ça, je vais parler de l'INES, hein, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, a publié une revue systématique sur le rôle de la vitamine D dans la COVID. Ils sont arrivés avec « c'est pas concluant ». Ah, pourquoi moi j'ai l'opinion inverse? Oui. Parce que eux cherchent un outil d'intervention qui est validé comme un médicament. C'est tout à fait vrai qu'en ce moment, les études cliniques ne sont pas bien faites. Alors, exemple, une étude clinique faite au Brésil, où on a donné 60 000 unités. Attends, t'es au Brésil? Le problème de vitamine D n'est pas le même que chez nous. Hein? Il y a du soleil là-bas. Deux, tu donnes 60 000 unités. Dans quel monde 60 000 unités est efficace? Ça, c'est pas dangereux, mais est-ce que c'est efficace? J'ai pas de preuve nulle part que des bolus importants soient efficaces. J'en ai une autre étude du même style avec un bolus, tiens-toi bien, de 200 000 unités. Pow! D'une fois. Puis après, qu'est-ce qu'on fait ensuite, là? En Europe, on fait ça. Dans les pays arabes, on fait ça. Mais il n'y a pas une preuve que c'est efficace. C'est pas dangereux, mais c'est pas efficace. Efficace, c'est une dose quotidienne ou une dose hebdomadaire. Ça marche. Je comprends. Donc, quelqu'un qui donne juste une shot de même, c'est pas il manque efficace. Quelque chose. Est-ce que la vitamine D va être mieux assimilée ou va être plus, je ne sais pas comment on dit ça, si on va au soleil? C'est une question que je la trouve pertinente. Elle est très pertinente. La réponse, c'est je ne sais pas. Au sens où le soleil, c'est beaucoup plus la vitamine D. Il ne faut pas avoir la pensée réductionniste qu'on a de dire une affaire égale une autre. Le soleil, c'est la vitamine D. Le soleil, c'est entre autres la vitamine D. Il y a plein d'autres facteurs que le soleil va donner. Tu sais, on a déjà parlé du sauna infrarouge. Ouais. Le meilleur sauna infrarouge, c'est le soleil. OK? Quand tu es au soleil, qu'est-ce qui fait que tu as chaud au soleil, au-delà de la température autour de toi? Tu sais, ce midi, il ne faisait pas 20 millions, là, et j'avais chaud parce que le soleil, les rayons infrarouges me chauffaient. Alors, c'est un sauna infrarouge. Alors, il y a plein de facteurs du soleil. Donc, le soleil est certainement plus bénéfique que la petite pilule. Simon dit que c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Yves dit les vraies affaires. J'essaye. C'est ça qui fait bien. C'est pour ça que je ne pense pas retourner à TVA.
ni sur l'autre. J'ai été dans à peu près tous les postes à court, moyen, long terme. Puis, sérieusement, je ne pense pas que jamais on va me rappeler, justement parce que ça, je ne tiens pas la ligne éditoriale. T'sais, si on veut revenir au truc des crèmes solaires, excusez, il y a la moitié des produits-là que je ne mettrais pas sur ma peau. Ah, oh, merci. Parce que ce matin, ce n'était pas ça qu'on entendait. Là. C'était n'importe quoi. N'importe ben oui, parce quoi, que pour si... Écoute... À l'année. Oui, bon. Bon, restons dans le sous-sol aussi, tant qu'à faire, tu sais. Mais non, écoute, j'ai entendu de la bouche d'un pharmacien qui n'avait pas de preuve qu'un écran solaire empêche la formation de vitamine D dans la peau. Ben voyons donc. Ah oui, sérieux. Puis, c'est comme, je me suis redonné à deux mains d'y envoyer une poignée de bêtises parce qu'il venait de me dire, sérieux, vous venez de me dire ton incompétence, là, parce que les études, les v'là. Je les ai. Excusez, là. Bon, continuons avec oui. Protégeons-nous de la contagion. Mais là, quelqu'un, tu sais, par rapport au syndrome métabolique, mettons quelqu'un qui a un surpoids, qui sait qu'il mange beaucoup de sucre, donc de glucides, donc pain, pâte, patate, et en plus du sucre blanc, en plus, tu sais. Bon, c'est la première chose à faire. OK? Regardez ce que vous mangez. C'est même à Rod depuis qu'on se parle. Hein? Je reviens tout le temps avec ça d'une façon ou d'une autre. Le Québécois moyen, le Nord-Américain, mange trop de glucides par rapport au reste. Tu sais, le petit déjeuner classique, là. Toast, confiture, jus d'orange, café. Tu vas faire ta journée avec ça, toi, là? Hii! Ou bol de céréales, tu sais? Tu sais, les sugar frosted flakes. Yay! Bien coloré, bien appétissant. allez lire l'histoire de M. Kellogg, vous allez trouver ça très fascinant. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Alors, ces personnes-là ne peuvent pas renverser ça du jour au lendemain, là, un syndrome... OK, attends. Les symptômes visibles, tu as raison. Et diabète de type 1, c'est une autre paire de manches complètement. On n'est pas dans le même monde, c'est une maladie auto-immune. Puis là, ça se gère complètement différent. Et je n'ai pas entendu que le diabète type 1 était un facteur de risque de la COVID. Diabète type 2, oui. Combien de glucides par jour, essayez d'être en bas de 100. Mais pour répondre à ta question que tu viens de me poser, c'est une question de jour. OK. Renverser les caractéristiques pathologiques du syndrome métabolique, c'est 21 jours. Arrête donc, toi! T'as pas tout perdu ton poids, t'as pas renversé ton diabète, mais la partie inflammatoire, la partie glycémique, c'est 21 jours. Wow! Alors, okay? Vivement le gras et les protéines, les bons gras et les bonnes protéines. Retrouvons l'équilibre de ce qu'on est supposé manger. Quand je finis un repas, je suis supposé plus avoir faim, puis je suis supposé ne pas avoir faim avant le repas suivant. Si vous avez besoin d'une collation, posez-vous des questions sur le repas d'avant. Maudine, que c'est intéressant, tout le monde dit ça. Oui, c'est le fun d'avoir l'heure juste. Moi aussi, j'ai tellement bon, alors, du jeudi. Ceci dit, OK, une fois qu'on a parlé de ça, les façons de gérer le syndrome métabolique, l'alimentation, le jeûne, l'activité physique. La trampoline, j'ai une trampoline dans le salon maintenant. C'est vraiment chouette. J'en ai une dans le sous-sol, moi. C'est tout simple. Tu sais, ça, ben oui. Si vous voulez pas sortir, ça se commande en ligne. Puis c'est juste, c'est pas de sauter, c'est juste de rebondir. Tu sais. C'est ça. L'idée, moi, je fais du jogging dessus. OK. Okay? J'écoute la radio, puis je saute, puis je fais des mouvements de sorte de façon. Puis moi, j'ai trois cardio que j'alterne. Le vélo, la trampoline, puis le rameur. Dans mon sous-sol. Génial. Plus les poids et haltères et autre chose. Mais ça, c'est mon cardio. Je fais 5 à 10 minutes de un des trois. Puis les plus intenses étant la trampoline et le rameur, plus que le vélo, parce que le rameur, c'est tout ton corps. Puis la trampoline, l'élastique que tu rajoutes à ta pulsion, là, au niveau retour veineux, il est assez fascinant. Là. Bon. Et attends, rassure Simon, s'il te plaît, parce que oui. Non, on n'a pas besoin d'une course à la minceur à tout prix. Ah non. Nous, là, toutes les deux, là, on est contre le comptage de calories et toutes ces affaires-là. 100% d'accord. Moi, je suis végé, tu sais, Jean-Yves et Céto, on essaie de se rejoindre à quelque part là-dedans, mais... Puis on se rejoint comme des gens intelligents. Oui. Où on fait des compromis, on n'est pas à la recherche d'un absolu, on n'est pas dogmatique, on a nos préférences, on a nos valeurs, on travaille avec un savoir que moi j'essaie de développer tous les jours. Puis pour répondre, c'est Simon, c'est pas une question de poids idéal, c'est une question de santé métabolique. C'est pour ça que je disais, en dedans, si on fait une approche alimentaire cohérente, 21 jours, vos paramètres sanguins sont normalisés. OK? 21 jours.
Wow. C'est sûr que si ça fait 20 ans que vous êtes diabétique type 2 sous médicament, oubliez ce que je viens de dire, c'est pas vrai, là. Mais si vous êtes la petite bédaine, puis là, votre docteur vous dit, ah, ben là, je vais vous mettre sur un médicament pour le cholestérol, ou fais attention, le diabète s'en vient, là, oui, 21 jours. Par contre, wow, c'est pas guéri, c'est pas ça que j'ai dit du tout. Non, non. Ce que je dis, c'est que les paramètres sanguins, en dans 21 jours, se sont normalisés, et tout le travail, c'est de rester là. Oui, mais ils vont vouloir continuer. L'affaire, là, on peut-tu le dire que c'est sûr qu'un régime où on compte les calories, où on fait... Ah. Et c'est pour ça qu'on m'a mal associé à des courants, parce que moi, je compte... Tu sais, détox, pour moi, c'est une alimentation saine et rentable et digeste. Mais il n'y a pas de privation. Et je sais que tous ceux qui suivent des régimes vont reprendre plus qu'avant. Bon. Ce n'est pas ça le discours. Mais quand on mange bien, on a envie de continuer de bien manger parce que notre corps, on est bien, on est heureux. Tout est là, OK? Je suis en gestation d'un livre. Quand j'aurai le temps de le faire, parce que là, je suis occupé, puis il y avait de plus en plus, c'est fou. Mais bon, et ce livre-là va être la suite d'une série de webinaires que j'ai fait, dont le dernier ou l'avant-dernier, sur maigrir envers et contre tous. Oui. Puis ça va s'appeler maigrir par l'intelligence métabolique. Ah, wow. Puis ce que je vais dire dans l'introduction puis sur la quatrième de couverture, c'est qu'au fond, maigrir, c'est un effet secondaire. Exactement. Attends, Jean-Yves, je veux dire quelque chose. Je vais vanter notre salade, mais pourquoi pas, c'est vanter des légumes, c'est vanter des légumes bio et une entreprise québécoise qui les fabrique. Malgré les zones rouges et tout ça, il y a un homme qui était obèse, qui est vraiment en surpoids, qui a perdu 100 livres juste en rajoutant sa salade à ses repas. OK, expliquons. OK. Ce qui est le fun, c'est qu'il faut comprendre pourquoi. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Un, il a satisfait une partie nutritionnelle. Son corps a faim. Il a faim parce qu'il manque de trucs. Oui! Oui! Et c'est pas, on a l'erreur de compréhension que la faim est exclusivement une recherche de calories. Pas vrai. Ton corps est à la recherche. Pourquoi tantôt, il y a une question sur les rages de sucre. Ça part tellement vite, les rages de sucre, là. Les maux de tête, par exemple, c'est plus long. Puis là, il faut vraiment trouver la bonne façon. Puis là, c'est mon autre parotte. Prenez plus de sel pour les maux de tête. Là, c'est, ah oui, je l'ai ici, ma salière. Ah. Elle est toujours avec moi, OK? Et Jean-Yves a renversé le diabète de type 2 d'un ami. En tout cas, c'est ben, ouais. J'en ai quelques-uns. J'ai des échecs, OK? J'ai deux cas où on est obligé de garder un médicament. Mais tu sais, tantôt, quand je disais... ça dépend. Si ça fait 20 ans que tu es diabétique type 2 et tu es rendu à l'insuline, là, ça se peut que ton pancréas ne marche plus. Là. Fait que je m'appelle pas Saint-Joseph, moi, là. Mais ce qu'on peut, c'est aller chercher tout le possible et le retour vers le normal. Mais c'est quoi ta normale? C'est un peu comme quelqu'un qui a pris un antidépresseur pendant 20 ans. Je ne promettrai pas de sevrer, OK? Je vais promettre la dose minimale efficace, par exemple. Ah! Ça, c'est différent. Mm. Bon, le sel pour les maux de tête, merci Stéphanie. Oui, 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 oui. Tiens, regarde, c'est pas compliqué. Oui, là, mais il y a un point d'interrogation. Elle se pose la question. Là, je pose la question. Regarde ce que je vais faire. OK? Là, je viens d'en renverser un paquet. Tu fais ça, là. Tu mets du sel dans le creux de ta main. Avec ton eau. Avec mon eau. Avec... Et voilà. Et ça, des... si t'as mal à la tête, là, ça marche comme un Tylenol. Wow! OK? Si t'as mal à la tête niaiseux, là, fin d'après-midi, là, tout te peut plus, là, fais l'essai. Croyez-moi pas, OK? Croyez-moi pas, faites-le, c'est tout. Wow. La salière directe. Très chouette. Puis oui, toujours iodée. Puis quelle marque? Celle que vous voulez. Il y a juste une que j'aime pas parce qu'il y a du sel dedans, puis je ne le nommerai pas, je vais me faire crucifier. Fait que regardez, lisez les étiquettes. Il y a du sel dedans? Il y a du sucre. Excusez, j'ai dit sel. Du sucre dans le sel. Ça m'énerve. OK. Voilà. Mais toujours iodé. Toujours iodé. Donc, reviens à l'alimentation qui nourrit de vrais nutriments versus se nourrir de calories. Donc, se nourrir d'un sac de chips et se nourrir d'une salade, ça n'est pas la même affaire. Ben, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ton bonhomme, qui probablement... pas par mauvaise intention, mais surtout par méconnaissance, mangeait d'une certaine façon, commence à remplacer des aliments transformés par des aliments bruts qui prennent une place dans son estomac, mais surtout vont faire plusieurs choses dans son corps. Vont apporter des micronutriments. Tu sais, tu parles de détox. J'ai fait un webinaire avec Valérie qui s'appelle « 10 jours détox ». Et un des piliers de la détox, c'est quoi?
c'est les crucifères. Qu'est-ce qu'il y a dans ta salade? Des crucifères. Alors, les crucifères, ils font quoi? Bon, crucifères, c'est la famille des choux, brocolis, etc., qui vont fournir au corps des molécules soufrées, des acides aminés contenant du soufre, qui aident le corps à décrasser les affaires qu'on a. Oui, le mien est rose, mais ça va aussi être rose. Ça, c'est un autre choix, c'est un autre sujet, ça. Mais l'idée, c'est qu'en mangeant des légumes satisfaisants, tu nourris une partie que ton corps n'avait pas connue pendant un grand bout de temps, et là, tu as moins faim. Tant et aussi longtemps que le reste est vrai. Si tu manges juste de la salade, je parie que tu vas t'arracher la tête. Il te manque quelque chose. Il faut aller chercher l'équilibre. D'où ma notion d'avoir l'équilibre glucides, lipides, protéines, et que l'apport en protéines recommandé, il est trop faible. Absolument, absolument. Sylvain rajoute du fromage, du poulet, toutes ces affaires-là dans sa salade. C'est ce qui vous convient selon votre réalité et vos intolérances à vous. Parce que ça, c'est l'autre affaire. T'sais, moi, je n'embarque pas dans tel aliment est mauvais pour tout le monde. Ouais. Il est fréquemment mauvais. Il est fréquemment mauvais pour les gens de manger du fromage de vache avec substances laitières modifiées dedans. Okay? Parce que ça, c'est... Mais il y a des gens qui vont le tolérer pareil. Tu sais, le Philadelphia, là, ma fille et ma femme l'en mangent. Moi, je ne suis pas capable. Tu sais, à chacun ça. Bon. Le sel que tu prends, c'est du sel iodé. Il n'y a pas de... C'est tout. Bon, j'aime pas... Lui, le problème, c'est qu'on trouve à rien qu'une place. On le trouve chez Costco. C'est sel Himalaya iodé, parce que c'est le seul que j'ai trouvé. Puis, c'est en petits cristaux, parce que les gros cristaux, on ne peut pas mettre d'iode dessus. Ça ne tient pas. Ça prend des petits cristaux. Bon! Et, continuons le sujet du jour. Si vous voulez une consultation avec Jean-Yves, vous pouvez aussi aller sur son site puis vous mettre, prendre rendez-vous avec lui. Ça se fait aussi. Donc, J.Y. Dionne. Pour les webinaires, vous avez accès aussi aux webinaires passés de Thuri. Alors, Marie-Pierre, dans 5 minutes, tu nous reviens pour nous dire si le mal de tête est parti, OK? Merveilleux. Super. Donc, OK, fait bien se nourrir, c'est une des choses. Puis en 21 jours, puis bouger un peu. Bouger assez pour avoir chaud, en fait. Vois-tu, c'est ça. Comment résumer? Le silicate ne me dérange pas trop, c'est les autres labels qui me dérangent. Mais une activité physique pertinente, c'est quelque chose qui provoque la respiration, qui donne chaud. Et on va pousser l'intensité à notre maximum. Alors, si j'ai des grands-parents dans l'auditoire, jouer avec ses petits-enfants, c'est un marathon. Tu as chaud, tu cours, tu t'amuses dans le parc avec tes enfants, c'est le fun. C'est ça, OK? Puis on a un sourire dans la face, puis à la fin, on est fatigué, puis là, les enfants qui courent après. Ça, c'est une activité physique. Ça n'a pas besoin d'être organisé, ça n'a pas besoin d'être un gym, j'ai pas besoin d'apprendre à courir puis me blesser les genoux. Peu importe l'activité. Si j'ai le goût de courir parce que j'aime ça, bravo! Puis mon but, c'est d'augmenter l'intensité graduellement pour que, éventuellement, dans le métro de Montréal, je prends les escaliers jusqu'en haut à la course et je ne suis pas si essoufflé que ça. Ça, c'est mon but à moi, OK? Peu importe où, Lionel Gros ou un autre, des escaliers qui n'en finissent plus, là. Moi, je suis un fan des escaliers, c'est comme mon truc à moi. Mais à chacun son truc. Alors, ça, c'est pour la santé métabolique. Puis pour clore le sujet, selon les dernières publications, il y a 2019, M. Arajo, A-R-A-U-J-O. Et comment Jean-Yves se souvient-il de tout ça? Parce que j'en bouffe. Mais en tout cas, lui et son équipe ont démontré que 88% des Américains ne sont pas en santé métabolique. Ils ont un des critères du syndrome métabolique, ou plus qu'un. Faut le faire, là. T'sais? Faut le faire. Faut le faire. Puis on comprend pourquoi aux États-Unis, c'est l'hécatombe. Ouais. Par rapport à... Bon, okay, on continue. Parfait. Les choses qu'on peut faire... On a parlé de la vitamine D, on a parlé de réduire le syndrome métabolique. Ça, c'est la première affaire. Parenthèse pour la vitamine D, tu l'as déjà dit, peu importe la marque. Règle générale, quand on parle d'une substance unitaire, vitamine D, vitamine B, un minéral, bon, dans les minéraux, il y a le type de sel, mais je n'ai pas de préférence en particulier pour une raison. En termes de contrôle de qualité, c'est facile. Mettez-moi une plante médicinale, puis là, je vais devenir bien taponneux. Parce que les plantes médicinales, c'est complexe. Les formules complexes. Exemple, les produits américains qu'on vous met proprietary blend ou mélange exclusif avec 12 ingrédients puis une quantité totale pour les 12. Fuyez ça comme la peste. OK? Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Au Canada, Santé Canada a mis son pied à terre il y a 2004. Et Santé Canada, c'est une référence crédible. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Non, mais je te pose la question. C'est une question légitime parce qu'il y a tout autour de monde qui vont dire ce genre de choses. Ce n'est pas parfait.
Je suis le premier à être cynique et critique envers Santé Canada, mais si mon produit de santé naturelle n'a pas de NPN, je vais me poser des grosses questions. Et ça, parce que c'est le minimum. Vérifier. Mais là, je disais ça, moi j'étais sarcastique par rapport à deux pharmaciens qui avaient dit que ça ne voulait rien dire, les homologations Santé Canada. Ce n'est pas vrai. T'sais, il y a vraiment bon, un travail. Il y a un procès. Ce qui n'est pas vrai, okay, ce qui est un mythe, c'est que Santé Canada teste les produits. Ce n'est pas vrai dans le pharma, ce n'est pas vrai dans les pesticides, ce n'est pas vrai dans les OGM, ce n'est pas vrai dans les aliments, c'est vrai nulle part. Okay? Santé Canada fonctionne avec des dossiers. Il y a des inspections. Il n'y en avait pas dans les produits naturels, puis on est sur le point de commencer. Mais il y a des standards de pratique. Il y a des contrôles de qualité qui sont similaires au pharma. Mais il y en a dans les produits de santé naturelle. C'est ce que je dis. Tu n'as pas le droit de faire... OK, mais ils font des inspections aussi. Tu n'as pas le droit de faire une allégation thérapeutique avec un produit si tu n'as pas d'NPN. Et là, vérifier aussi. Il y en a une trollée qui en fait, là, tu sais... C'est là où le cynisme de certains pharmaciens par rapport à Santé Canada embarque. Parce qu'on voit des extrapolations marketing. Santé Canada est clair sur, enfin, Ottawa est clair sur une chose. Quand on parle d'un produit approuvé quelque part, le marketing ne doit se baser que sur ce qui aurait été approuvé. Oui. Alors, si tu dis ta glucosamine aide à soulager les symptômes de l'arthrose, c'est ça que tu as eu comme allégation de Santé Canada, tu n'as pas le droit de me dire que ça va m'aider à courir. OK? Et c'est là où le marketing créatif, là, moi, je m'amuse souvent à prendre le NPN, aller sur la base de données de Santé Canada des produits approuvés, aller chercher l'allégation pour laquelle il est approuvé, c'est source d'antioxydants. Là, tu vois le marketing, ça a l'air miraculeux, tu sais. Puis, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui me contactent en voulant me faire connaître une compagnie ou un produit comme Gatsi, tu sais, moi, je ne le connais pas, on a de problème, hein? En tout cas, ceci étant dit... Je n'étais pas cynique par rapport à Santé Canada. Je veux juste mettre les choses au clair. Pour toujours que je... Non, bien, il est louable d'être critique par rapport à Santé Canada parce que c'est pas parfait, c'est des êtres humains et il y a une philosophie très, très, très pharma. Tu sais, un exemple, il y a plusieurs années, une des branches de Santé Canada qui s'appelle ARLA, l'Agence de réglementation de lutte antiparasitaire, ceux qui s'occupent des pesticides, sont tombés sur la frippe de l'huile de citronnelle. Ah, pour oui. Eux autres, c'était dangereux, ouais. C'était pas prouvé. Écoute, c'est en vente comme insectifuge depuis 1948 au Canada. Okay? Ouais. J'ai fait le dossier scientifique pour une compagnie. Ah. Puis j'ai... Oui, ben, c'est pour ça que je connais le dossier. Fait que j'ai fait tout le... Je ne dirais pas qui, mais je l'ai fait. Et il y avait une mauvaise volonté, une mauvaise foi crasse chez les fonctionnaires en charge du dossier. Puis j'ai compris par après. Il y a une passe-passe de magouille en arrière parce qu'au moment où ils ont tombé sur la frippe de l'huile de citronnelle, ils avaient enlevé au DEET, le DEET, la concentration de 95%, elle avait baissé à 30%. Puis à 30%, ça ne marche pas. C'est d'une efficacité douteuse. Mais à 95%, c'est toxique. C'est neurotoxique, ça passe par la peau. Alors, à un moment donné, ils ont comme, la compagnie qui s'est fait enlever ça a dit, OK, dans ce cas-là, tu vas me taper sur la tête du compétiteur. C'est pas légitime, c'est pas honnête, mais c'est ça qui s'est passé pareil. Ça nous a pris quasiment 10 ans à gagner notre point. Mm. On l'a gagné finalement. Fait que maintenant, la citronnelle a le droit de se dire insectifuge, puis c'est pas vrai que le méthylogénol qui est dedans est cancérigène. Il y en a dans le gingembre que tu manges. Merde. Et il n'y a qu'une citronnelle qui a cette... En tout cas, on en reparlera. Ben, il y en a plus qu'une parce que, tu sais, citrobug puis druide long. Là, fait que, on en jasera un moment donné. Oui, exactement. Alors, revenons à la COVID. Oui, s'il vous plaît. Bon, les choses que je peux faire. Mettons que j'ai peur d'être en contact avec quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire, outre qu'on vient de dire, et les manœuvres qu'on a dit que le gouvernement répète qu'il faut continuer, c'est est-ce que je peux supporter mon système immunitaire avec des plantes médicinales, par exemple? Alors, il y en a deux qui sont un peu plus intéressantes que les autres. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui ont un peu plus de documentation pour l'effet antiviral de ces trucs-là. Pour l'instant, in vitro, l'échinacée me montre un effet contre la COVID. Je spécifie in vitro. Il y a une recherche que j'ai vue, puis c'est intéressant. On sait que c'est antiviral pour les influenza, pour une collection de virus du rhume. Que c'est aussi efficace que le Tamiflu si c'est mieux toléré. Ça, c'est tout publié. Là. C'est des études publiées. Alors, l'échinacée est un outil intéressant. Est-ce que je peux
dire et parier que c'est efficace contre la COVID? Réponse, non, jamais. Je ne suis pas là. Mais je sais que ça aide le corps dans sa défense contre les virus. Pour avoir échangé avec Caroline, qui est vraiment une sommité ici, chez Flora Médicina. Oui, Caroline Gagnon, oui, tout à fait. Parce qu'éventuellement, on va avoir nos teintures puis nos macérations. Il faut, c'est pas toutes les échinacées qui sont bonnes et valables. Il faut que ça soit frais. La racine doit être fraîche. Bon, écoute, là, tu tombes sur l'explication pourquoi tantôt j'ai dit quand il y a une plante médicinale, je suis un peu plus taponné. Ah, voilà. OK. Un sel. OK. Un citrate de calcium, c'est pas compliqué à faire, puis c'est pas compliqué à mesurer. Mais la différence entre une échinacée fraîche dans une teinture, puis une échinacée séchée, extraite en poudre, qui m'arrive de Chine, c'est pas la même affaire, OK? À tel point qu'on peut, maintenant qu'on le sait, on peut mesurer certaines molécules qui vont disparaître avec le temps, avec le séchage. Les alkylamides, entre autres, sont des principes actifs frais. Donc, les teintures d'échinacées doivent être faites avec la plante fraîche. Est-ce que c'est la racine, la plante entière? Ça, c'est à débattre. Ça dépend de ce que je veux chercher comme principe actif. Il y a plus de polysaccharides dans la racine, il y a plus d'alkylamide dans la plante. Mais au-delà de la pharmacognosie, la plante fraîche n'a pas les mêmes vertus que la plante séchée. Puis je vais vous donner un exemple classique, le basilic. Le basilic frais que tu mets dans ta recette, puis le basilic séché que tu mets dans ta sauce, ça ne goûte pas pareil. Ben non. Ben, c'est la même affaire des plantes médicinales. Et oui, l'échinacée en préventif peut être utilisée. Alors ça, c'en est une. Une autre plante en prévention, c'est l'astragale. Bon, l'astragale est intéressante. On prend la racine. C'est une plante d'origine chinoise, mais qui pousse très bien chez nous et qui a montré dans quelques protocoles une efficacité pour augmenter mes défenses immunitaires. Puis là, je vais t'en donner une collection. Là. Le suro. L'arabinogalactan de Médèse, l'extrait de ginseng qu'on connaît sous le nom de Cold Effects. Il y en a une collection et ces produits-là ne travaillent pas sur le virus, travaillent sur toi. Okay. Et c'est là la distinction. Le suro est antiviral, mais il va aider au niveau des cytokines. Souvenez-vous, la fameuse tempête des cytokines, plus je la normalise, plus j'aide avec des cytokines antivirales, plus j'aide mon corps, plus je passe au travers facilement. Bon, mettons ta fille, quand elle a eu le COVID, qu'est-ce que tu t'es mis à prendre, toi? Bon, qu'est-ce que je lui ai dit de prendre, d'abord? Ouais. Oui, c'est là que j'arrive avec le zinc. OK, parfait. Okay, le zinc, en prévention, je vais plus m'intéresser aux apports nutritionnels que vraiment prendre un supplément. Si on veut prendre un supplément, ma petite marotte, c'est dépasser pas 50 mg, s'il vous plaît. Bon, à trouver de l'artémisia au Québec, bonne chance. À moins d'avoir un herboriste, c'est ce qu'il fait. Parce que l'artémisine, c'est un autre monde. Puis oui, il y a de la recherche in vitro contre la COVID, mais la source du produit est beaucoup plus problématique. Par contre, l'artémisine pour la malaria, yes! Ça, les études sont fascinantes. Là. Puis c'est une plante qui pousse partout. Mais trouver le bon produit, c'est pas évident. Alors, zinc, en aigu, en pastille, 10 mg par dose, aussi souvent que vous voulez, 7, 8, 10 fois. Okay? Les études concluantes dans la COVID, j'en ai pas encore une fois. J'en ai dans plusieurs rhumes et grippes, où on voit que ça coupe la réplication des virus et ça améliore la récupération puis ça réduit le temps. C'est ça qu'on veut. Okay. Mais pour avoir une dose efficace, je suis dans le supraphysiologique. Je ne suis pas dans l'apport nutritionnel. Là. Je suis vraiment dans le monde thérapeutique. Alors, c'est 10 mg, minimum 75 par jour. Okay. Milligrammes, pas pastilles. Là. Donc, 7 pastilles et plus par jour. Alors, je ne suis pas du tout dans ma précaution, dépassez pas tant parce qu'on n'est pas dans le même monde. Donc, ça, c'est quelqu'un qui l'a, mettons, mais qui n'a pas pu quelqu'un qui... avoir son vaccin. Bon, vous avez un premier symptôme d'une infection respiratoire. Vous ne savez pas c'est laquelle. Les pastilles de zinc ont le gros défaut que ça goûte quelque chose, puis pour certains, c'est intolérable. Mais c'est un très bon outil de traitement choc. Mais là, tu parles de capsules, mais pourquoi on ne prendrait pas un comprimé? Je parle de pastille ou une autre forme. La pastille, c'est parce qu'elle se dissout dans ta bouche. Ouais. Et ça augmente la concentration supraphysiologique dans la sphère ORL. Okay? OK.
Alors, c'est l'idée. Par contre, tu prends une pilule, une capsule, un comprimé, je m'en fous, là. C'est que tu le prends de façon régulière. La dose est plus petite. Puis là, elle cherche à t'amener dans un monde de prévention. On est à deux places, là. Intervention, prévention. Mais si on, si on veut, si on, on l'a, comme ta fille, là, tu lui as proposé des pastilles. Bon, j'ai dit, tu vas prendre de la vitamine D, tu vas prendre du zinc, tu vas prendre de la quercétine, tu vas prendre de la vitamine C. OK. Mais je reviens au zinc. Quand on l'a, une fois qu'on l'a, pas en prévention. Bon, une fois qu'on a une infection respiratoire, ouais. OK, le plus efficace, ça reste les pastilles fréquentes. OK. On peut aussi, puis c'est là où on tombe dans un monde un peu interlope, où c'est pas clair notre histoire, parce qu'on a de la donnée, mais on n'a pas de données humaines encore. On parle de zinc, et là, c'est là que je rajoute la fameuse quercétine. Au tout début de la pandémie, on a eu une entrevue à Radio-Canada d'un docteur Michel Chrétien qui a fait des études dessus, puis que les Chinois avaient commencé à travailler dessus. Pourquoi? Parce que la quercétine a un impact antiviral pour nombreux virus, incluant l'Ebola. Okay. Mais je n'ai pas de données sur la COVID encore. Okay? Puis j'en aurai probablement pas. Puis ça sera, je finirai notre entretien avec ça. Mais la quercétine, un de ses rôles... Oui, c'est ça. L'heure avance, tu le trouves. Bon, l'hespéridine aussi est intéressant. En comprimé, je ne sais pas. C'est là où on a une distance entre la substance puis le produit. Mais alors, la quercétine... avec du zinc, parce que la quercétine, un de ces mécanismes d'action qui m'intéresse ici, c'est l'effet que c'est un ionophore. On va briser ça en deux. Ion, donc un métal. Phore, c'est une porte ouverte, c'est comme un port de peau. Un ionophore, c'est quelque chose qui augmente la pénétration du métal à l'intérieur des cellules. Souvenez-vous de l'hydroxychloroquine, OK? C'est ça son mécanisme d'action. La quercétine fait la même affaire. Ça augmente la pénétration du zinc. Donc, si j'ai un surplus de zinc et de la quercétine, j'augmente l'effet antiviral. Je postule que je peux avoir un effet. Je ne peux pas vous dire si ça marche. On n'est pas rendu là, l'étude ne sera pas faite. Puis c'est là-dessus que je termine, parce que les études concluantes sur des produits non brevetables qui ne feront jamais de profit, tu n'en auras pas. C'est plate, là, mais c'est comme ça. Tu vas avoir des études préliminaires, mais à moins de garantir que ton million de dollars d'investissement en études cliniques va rapporter plusieurs fois ton investissement, tu feras juste pas ton investissement. Tu vas faire des petites études préliminaires qui vont dire « Ah, ça, c'est intéressant. » Il y a des gouvernements qui investissent. Oui, c'est vrai. Mais c'est toujours, tu sais, 60 personnes, 40 personnes. C'est jamais 3 000. Combien qu'on peut prendre de zinc par jour? Là, tu dis en pastille. Okay. En pastille, je parle de doses très élevées, minimum 75 mg par jour, selon la méta-analyse qui a été publiée. Donc, c'est un minimum de 7 pastilles de 10 mg par jour. En pastille ou en capsule? Si on a des capsules. Non. Okay. Tu ne peux pas faire ça en capsule. C'est absurde. Ou bien donc, tu le fais en liquide, puis là, bonne chance pour le tolérer, ça goûte le cul. Ouais. En comprimé ou en capsule, on est dans un autre monde. Tu ne peux pas faire ça. OK, parfait. On ne peut pas faire ça. Quand ça passe par le système digestif, tu es limité dans ta capacité. C'est là où je mets un plafond à 50 mg par jour. OK. En action. Là, quand on est en action, si tu le prends avec d'autres choses, dépasse pas 50 mg en comprimé, parce que comprimé capsule, parce qu'il y a un problème au niveau de l'équilibre des minéraux. On n'est pas là, là. Puis tu le prends sur une durée plus longue. Alors, 15, 25, 30 mg, c'est des doses qui ont de l'allure. L'apport nutritionnel chez la femme, c'est 8, chez l'homme, c'est 11. Donc, tu vois qu'on est proche de l'apport nutritionnel, on n'est pas catastrophe. Et tu le prends sur une plus longue durée. Puis, pourquoi je garde mon 50 mg tout le temps comme plafond? C'est qu'au-delà de ça, il y a un risque où, au niveau du système immunitaire, tu pourrais avoir un effet à l'envers. Alors, je m'explique. Dans les études AREDS, qui ont été faites pour la dégénérescence spaculaire liée à l'âge, la DMLA. On a utilisé un produit avec la lutéine, mais 80 mg de zinc. Et ça, sur les années où ça a été utilisé, on a vu une augmentation significative du nombre de cancers. Hey boy, OK. C'était pas énorme, mais c'est assez pour faire « Oups, on va arrêter l'étude ». OK. Alors, ce risque-là, on ne veut pas le faire. Et le cut-off, c'est 5 ans. Rester en bas de 5 ans. Et en prévention, donc une fois de temps en temps, mais pas tu sais, on va pas là, là. En prévention, mettons, tu peux prendre une fois ou deux jours pourrais prendre 30 mg par jour. Moi, j'y vois pas de risque. Je
postule, dépendant où vous restez, puis du reste, il faudrait vérifier vos apports en cuivre, parce que c'est deux minéraux qui travaillent ensemble. Je sais qu'il y a des auteurs en France qui disent « jamais, jamais, jamais de cuivre ». Moi, je suis plus dans le sens, habituellement, vous n'avez pas besoin de cuivre, mais c'est deux minéraux qui travaillent ensemble. On aime avoir un ratio qui ressemble à 1 pour 15, 1 pour 11, donc 1 cuivre, 11 à 15 milligrammes de zinc. Alors, mais c'est plus pour prévenir ce qu'on appelle la carence relative. Trop de zinc par rapport au cuivre. Si tu donnes du zinc, du zinc, du zinc, à un moment donné, ton cuivre ne suffit pas à la job. Mais tu as besoin des deux. Par contre, en indication aiguë, ton cuivre est tout à fait banal. Donc, en prévention, on peut faire tout ça. Donc, tout ce que tu viens de nommer là, puis si vous voulez en savoir plus, ben, ce soir, il y a ton webinaire sur les suppléments. Puis on adressera les crèmes solaires, mais d'emblée, tu vas dire que ce n'est pas toutes les crèmes solaires qui se valent. Écoute, il y a un mot que je vous... faites des devoirs, là. Je vous donne un devoir, tout le monde. Ah. Benzophénone 3. Trouvez ce mot-là sur une étiquette, là, puis sacrez le produit aux poubelles. Parce que ça, c'est un produit problématique. C'est vrai que la preuve n'est pas en béton armé, que c'est cancérigène. Sauf que les données d'innocuité chez l'animal sont problématiques. Cette substance-là, elle est altérée par le spectre UV, elle se transforme, elle est absorbée par la peau, puis elle a un effet perturbateur hormonal. J'ai-tu besoin d'en dire plus? Non. Bon. C'est ça. Puis il y a des filtres qui sont plus sécuritaires. Le Parsol, le Mexoril, c'est correct. Tu sais, il y a ce que tu fais qui sont des écrans mécaniques, donc du zinc ou du titane, oxyde de zinc, oxyde de titane. Puis là, ben attention comment il est... pas de nanoparticules. C'est ça. Tu peux aller à microniser, mais pas plus petit, parce que plus petit, il commence à être absorbé, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le corps. Tu sais, c'est ça, là. C'est tout l'équilibre de tout ça. Puis, soyons clairs, la science est loin d'être aboutie, là. Ça n'aura pas le fin mot de l'histoire, parce que qui va accepter de passer, tu sais, je sais pas, 3 semaines à se faire enduire de crème au quart d'heure? Tu ne l'auras pas, cette information-là, savoir le niveau de toxicité. Fait que tu l'as chez... Merci, Gilles Affaire. Tu ne l'auras pas, là, parce que la notion de toxicité, on est obligé de se baser sur des animaux. Quand je dis que Santé Canada ne fait pas de tests, Santé Canada étudie des dossiers. Et c'est là le bug. T'sais? Donc, en tout cas, moi, je me dis, pourquoi aller vers du toxique quand on peut avoir une protection naturelle? Absolument d'accord. puis pour répondre à... Oui, tous mes webinaires sont enregistrés et disponibles dès le lendemain en auto-apprentissage. Et quand vous l'achetez, vous avez 6 mois d'accès qui vous appartient. Tous les documents, vous les téléchargez, sont à vous autres à vie. Voilà. Donc, si vous connaissez du stress comme moi, ceci, tu sais, quand notre fils est dans une classe où il y a du COVID, ceci est utile. Donc, le livre. Oui. Et si vous voulez, donc, pour toutes les questions sur les suppléments, tu es là. Et si vous avez des questions personnelles, là, tu proposes aussi des rendez-vous, des consultations d'1h30. Donc, tu sais, ouais. Ça vaut vraiment la peine aussi. Donc, ça vaut au mois de mai. En fait, là, j'ai des jours qui ont ouvert au mois de mai parce que mon voyage en Afrique a été reporté en juin parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement a sauté. Hein, ben, le premier ministre est mort du cancer. Fait que le président a dissous le Parlement puis ils viennent de le refaire là. Fait que là, tout a sauté là-bas. Okay. Fait que là, on a reporté d'un mois et quelques. Fait que, bon, il y a des jours en mai qui sont ouverts. Sinon, ça va en juin. Merci pour ta lumière sur tout ça. Merci vraiment. C'est très, très, très utile, je pense, pour tout le monde. Plus ça va aller aussi, plus on va avoir de tu sais, ça se propage, cette affaire-là. Là, et as-tu une idée, toi, comment qu'on peut... Non, parce que tu ne sais pas, tu es là-dedans, tu es dans le flou aussi. Comment l'odorat peut revenir ou comment... Je ne sais pas. J'ai vu la question passer. Écoute, c'est la bête noire. J'ai eu... J'ai un monsieur qui fait une thérapeutique, puis un médecin français qui fait la même thérapeutique, qui a eu des résultats. Il essaie la thérapeutique sur ma fille, ça n'a pas marché. J'ai lu quelque part que les oméga 3 pouvaient marcher chez ma fille, ça n'a pas marché. Regarde, je ne sais pas. Okay? Je ne le sais pas. Il y a une lésion neurologique. On souhaite que ça revienne. Un peu comme pour beaucoup d'infections virales, la convalescence peut être très courte comme elle peut être très, 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 très longue. Mon exemple à moi, en 2019, j'attrape une collection de virus, OK? Mais vraiment, là, ma fille arrive, une autre fille, arrive avec une maladie d'enfant.
Okay? Noémie arrive avec une maladie d'enfance qui est une stomatite herpétique. La bouche t'enfle, tu fais des ulcères dans la bouche, ça fait mal, tu manges plus, tu as mal partout, c'est l'horreur. On est trois dans la maison à l'avoir, quatre en tout, on l'a tout fait finalement. Puis moi, après ça, j'en ai fait deux autres bébelles. J'ai perdu 15 livres dans le processus. Et sérieusement, là, ça m'a pris 2 ans à remonter. J'avais des séquelles, mon énergie matinale n'était pas celle que j'aime. J'étais comme, j'avais besoin de me tirer du lit, là. Ça m'a pris 2 ans de convalescence. Alors, il y a des virus qui sont très, très longs. Il y a des virus dont on ne se défait jamais. Le HIV, le Epstein-Barr, c'est des choses qu'on trouve dans le sang des gens, certains herpès. Alors, est-ce que la COVID, ça va être ça? Dieu seul le sait, on ne sait pas. Mais on sait que, bon, dans le cas de ma fille Catherine, elle n'a plus de traces nulle part, mais elle a ces symptômes-là qui restent. Puis, il y en a plusieurs. Alors, la fameuse COVID longue, on ne comprend pas. C'est une des raisons pour laquelle, tu sais, il y a des gens qui sont là, c'est pas vrai, c'est pas... Non. Faites attention pareil. Ben oui. Faites-les les mesures de prévention. Assurez-vous de réduire les deux facteurs de risque principaux, donc un apport en vitamine D ou du soleil, et réduire le syndrome métabolique. Et voilà. Merci Jean-Yves. Merci. J'ai hâte à jeudi prochain. Moi aussi. Bye bye, bye tout le monde. Ciao, ciao.